Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le pourquoi j'ai arrêté le blogging. En fait, quand je dis arrêter le blogging, ce n'est pas dans le sens typiquement dit de dire j'arrête de publier sur Internet. Simplement, c'est que j'ai arrêté le blogging sur mon nom de domaine, sur mon sous-domaine, sur tout ce qui est WordPress et j'en passe. Et je vais vous expliquer le pourquoi dans cette vidéo. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et les amis, implémentez la stratégie que je vais vous montrer dans cette vidéo. C'est ça qui marche en 2024 et qui va également marcher dans les années à venir. Donc, j'ai eu de nombreuses années à promulguer dans le fait qu'il faudrait avoir son blog sur Internet, il faut publier ses articles et tout. Mais bon, ce que j'avais ignoré, c'était que, en fait, chaque temps, les algorithmes des moteurs de recherche changent. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, tu peux être classé, tu peux avoir une très bonne position sur un mot-clé. Alors, demain, une autre personne vient te déclasser facilement. Tu peux prendre soit une semaine pour faire des recherches sur un article pour pouvoir publier sur ton blog perso et après peut-être un mois ça rentre et après un autre mois en fait ça passe à la poubelle tout simplement. Par exemple, vous pouvez voir ici que je suis dans mon interface WordPress sur mon site officiel growthbusiness.com. Ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'utilise ce site en fait pour simplement faire des redirections au niveau de tout ce qui va être les liens affiliés parce que je n'aimerais pas par exemple payer encore d'autres abonnements sur des outils par exemple comme Bitly pour avoir des raccourcisseurs. D'URL avec mes propres noms de domaine ou Cutly, là où aussi il faudrait raccourcir avec son nom de domaine, il faudra prendre des abonnements. Alors, j'utilise par exemple ce plugin qui est Bitly sur WordPress pour pouvoir faire des redirections, donc raccourcir mes URL pour que. Elle ne soit pas très longue quand je publie sur Internet. Alors, vous pouvez utiliser d'autres plugins sur WordPress, ça dépend de vous. Vous pouvez voir par exemple ici que j'ai 81 articles publiés et vous pouvez voir encore ici que j'ai par exemple 209 articles non publiés. En fait, ce n'est pas le fait d'un hasard. Je vous explique, par exemple, tous ces articles, vous voyez, 81 articles publiés, ce sont des articles, vous pouvez voir que je me suis battu pour avoir un très bon score SEO, la plupart, bon, bref, ceux qui n'ont pas de bon score, c'est là où, bon, j'avais commencé à avoir vraiment des succès sur Google et tous les autres moteurs de recherche parce que mon trafic était vraiment tellement déclassé, je n'arrivais plus à avoir des visiteurs comme j'avais auparavant parce que je prenais vraiment du temps pour écrire mes articles. Donc, si je pars par exemple jusqu'à peut-être à la dernière page pour vous montrer. Donc, je faisais par exemple l'effort d'aller par exemple à 90% sur le score SEO et l'autre 91%. Donc, je faisais vraiment de très bons scores quand c'était peut-être des articles de révision et tout. Vous voyez que j'ai toujours les bons scores 92%, mais. Les amis, lorsque vous recherchez les mots-clés que j'ai ciblés dans tous ces articles, par exemple à 91 ici, vous allez vous en rendre compte que je ne suis même pas, donc peut-être sur la deuxième, troisième, quatrième page. Par exemple, cet article, je m'étais battu jusqu'à je suis arrivé à 100%. C'est là où, par exemple, ça a été mis comme pilier de mon blog. Donc, qu'est-ce qui s'était passé ou qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé? Le principe de Google et des moteurs de recherche aujourd'hui, ils vont se baser sur plusieurs facteurs pour pouvoir ranker un article d'un blog. Donc, vous pouvez avoir un très bon article bien écrit, peut-être même de 10 000 mots. Donc, vous avez fait des recherches scientifiques, vous avez invité même des gens pour pouvoir écrire ces articles, mais ils ne rentrent pas parce qu'il y a énormément de facteurs. Et le premier facteur qui est le plus considérable dans le blogging, c'est l'autorité du nom de domaine. Alors, Google se base sur cela énormément pour pouvoir ranker des articles, il y a l'autorité du nom de domaine, il y a des backlinks et il y a la structure. Donc, en fait, le SEO, c'est un écosystème vraiment tellement compliqué que je ne vous recommande plus de prendre un nom de domaine aujourd'hui, peut-être sur Hostinger, OVH ou je ne sais pas, AWS pour pouvoir créer votre blog et écrire vos articles en croyant que vous allez ranker sur Google facilement. Donc, j'ai par exemple 209 articles en brouillon ici. Pourquoi? Parce que j'avais eu utiliser cet outil qui est appelé
SEO Writing. Donc, c'est un très bon outil, les amis, c'est un très bon outil pour pouvoir écrire vos articles de blog. Mais vous ne devez plus publier vos articles, par exemple, comme moi, j'ai eu à mettre ça dans le bouillon parce que j'utilise maintenant pour publier plutôt ailleurs. Donc, ce qui s'est passé, c'est que dans SEO Writing, vous pouvez voir que j'ai écrit énormément de blogs. Donc, l'outil ne coûte pas trop cher. Je laisserai, par exemple, le lien dans la description de cette vidéo. Si vous voulez tester, après, vous avez, par exemple, au niveau des abonnements, vous pouvez commencer, par exemple, à 19$ tous les mois. Vous pouvez générer jusqu'à 50 articles. Donc, c'est le meilleur des top sur le marché pour pouvoir écrire vos articles. Une fois que vous avez écrit vos articles, vous n'allez pas le publier, les amis, sur WordPress. Oubliez cela, ne faites plus cela en 2024. Je dis encore, ne faites plus cela parce que vous allez perdre votre temps. Donc, ce que je vous recommande, c'est d'aller sur Medium. En fait, pourquoi je dis aujourd'hui d'aller plutôt sur Medium, je vais un peu prendre l'exemple d'un article que j'ai eu à écrire. Donc, un article de révision, vous pouvez voir que j'ai écrit un article de révision Exibun, donc un complément alimentaire pour la perte de poids. J'avais juste pris, bon, si je clique par exemple là pour pouvoir aller regarder l'article. Donc, par exemple, voilà l'article qui se charge ici. Vous voyez que c'est un article que je n'avais même pas pris de temps pour pouvoir vraiment bien structurer ou bien faire. Bon, le complément alimentaire, j'avais juste pris Google Trend. J'ai vu que les gens recherchaient un peu complément alimentaire, Exibun. Bon, j'ai dit, il faut que j'écrive un article là-dessus. J'ai un peu bricolé quelque chose comme cela. Vous pouvez voir que je n'ai même pas pris tellement de temps, donc j'ai juste mis quelques liens affiliés. Mais vous pouvez vous en rendre compte que cet article rank numéro 1 sur Google, les amis. Donc, je prends juste cet article. Pourquoi? Parce que j'ai eu à créer également, j'ai eu à implémenter cette stratégie sur Medium. Ça a eu à ranker pour de nombreux blogs, mais par la suite, ce que j'ai eu à faire, c'est que j'avais eu à ajouter de nombreux liens affiliés. Donc, d'où le fait où Medium a eu à me bannir. Donc, aujourd'hui, j'ai au moins ce 2 à 3 comptes. Donc, je vais aller même jusqu'à 4, même 5 comptes Medium avec plusieurs adresses email pour pouvoir publier en masse, les amis. Donc, faites cela, vous allez ranker sur Google très facilement. Vous voyez que je n'ai pas eu besoin, par exemple, pour cet article, avoir de backlink. Je n'ai pas travaillé donc tout l'aspect SEO que ça demande dans tout ce qui est blogging. Donc l'autorité simplement du nom de domaine de Medium me permet de ranker sur Google première position, les amis. Si vous voulez aller chercher Exibun avis ou avis Exibun, Exibun perte de poids et tout, tous mes articles vont toujours se ranker sur la première page. Donc, je fais l'affiliation également dans tout ce qui est complément alimentaire. Donc, sur cette chaîne YouTube, je partage juste tout ce qui marche sur Internet. Parce que gagner de l'argent sur Internet, moi, je ne parle pas seulement cliquer ici pour pouvoir générer tel nombre d'euros. J'implémente des choses, les amis. Et lorsque ça me produit des résultats, c'est là où je peux en parler sur cette chaîne YouTube. Alors, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne pour pouvoir découvrir des stratégies marketing 2024, 2025 et les années à venir qui marchent dans le business en ligne, alors abonne-toi pour ne rien manquer pour toutes mes stratégies que je vais partager sur cette chaîne YouTube. Donc, ce que tu as fait, mon ami, c'est que, donc je vais retourner ici, tu retrouves tes mots-clés, tu peux prendre SEMrush, bon, la version gratuite, tu peux prendre, en fait, il y a plein d'outils pour rechercher des mots-clés sur Internet, pour qu'importe le secteur. Ensuite, tu viens simplement sur SEO Writing AI, dont je vais laisser le lien dans la description. C'est un lien affilié. Si tu passes par moi, cela me fera énormément plaisir. Donc, avec la version gratuite, chaque mois, tu peux générer 5 articles. Une fois que tu as généré tes articles, tu vas simplement le copier et venir ici sur Medium, coller tout simplement. Mais fais attention d'inclure trop de liens affiliés. Donc, il ne faut pas prendre directement les liens qui sont les liens affiliés. Je ne te recommande pas. C'est d'où le fait où moi, j'utilise, comme je l'ai dit, j'utilise ce plugin sur mon site.
site pour faire les redirections. En fait, Medium va voir premièrement que oui, c'est un nom de domaine. Alors, il ne va pas trop prêter attention sur mon URL parce que Medium déteste les spams. Donc, je vous dis, les amis, j'ai eu deux comptes qui ont eu à sauter auxquels j'avais énormément. Donc, si par exemple, je viens ici au niveau des statistiques, ce compte, je viens tout juste de lancer pour vous montrer que ça marche, les amis. Vous pouvez voir que j'ai juste eu à commencer, c'était quelques jours. Donc, j'ai publié le premier article, c'était le 6 septembre. Vous pouvez voir que déjà, je suis au 17 septembre. Vous pouvez voir que j'ai des visiteurs mensuels comme cela. Ça ne m'a rien, donc je n'ai rien investi. Simplement, prendre SEO Writing, écrire l'article et venir coller simplement ici. Vous pouvez voir que ce compte vient d'être lancé. Donc, si je pars en fait, vous voyez ici qu'il n'y a pas de mois antérieurs. Donc, je ne suis pas en train de vous mentir. Voici un compte et j'ai énormément d'autres. J'ai d'autres comptes. Donc, j'ai un autre compte. Je ne vais pas vous montrer. Mais c'est juste simplement pour vous faire comprendre que cette stratégie marche en 2024. Les comptes qui ont eu à sauter. Alors, bref, je ne vais pas entrer trop dans les détails pour que cette vidéo ne soit pas très longue. J'ai eu deux comptes qui ont à sauter. J'étais déjà à des milliers de visiteurs mensuels ici. Donc, par jour même. Donc, ça montait simplement croissant. Mais sur Medium, lorsque tu ne respectes pas ils appellent ça policy. Donc, tu vas par exemple, aller dans tes settings. Dans Settings, tu vas lire tout ce qui est conditions d'utilisation. Tu vas chercher cela là-bas et tu vas te rassurer. Tu vas te rassurer de respecter les conditions d'utilisation. Et l'un des principes que j'ai eu à constater de mes comptes qui ont sauté, c'était que ne pas récupérer directement les URL affiliées et venir directement intégrer cela dans son article. Donc, utiliser un raccourcisseur d'URL de son propre nom de domaine. Donc, si tu prends par exemple Cuddly, utilise ton nom de domaine, prends un abonnement peut-être à 8 $ le mois. Parce qu'un blog par exemple comme ceci, pour moi, ça me coûte près de 14 $ chaque mois sur un serveur par exemple de Cloudway. Donc j'ai pris le plus petit abonnement là-bas, c'est 14 $ chaque mois et le nom de domaine que je dois payer chaque année. Donc tu prends peut-être soit 14 $ comme cela pour avoir peut-être une landing page, parce que si je pars par exemple ici sur ma page d'accueil, donc j'ai listé quelques autres petits produits concernant l'affiliation, concernant les produits pour aider en fait des web entrepreneurs à pouvoir se démarquer ou lancer leur business. Je parle un peu des révisions de ces produits, sur en savoir plus, et ce sont des liens affiliés. Donc tu peux juste avoir un site pour représenter juste tes produits. Par exemple, je liste également mes formations sur ce site et je liste également mes logiciels. Donc j'ai deux formations là et j'ai également mes logiciels. Donc par exemple, sur ces logiciels, j'ai Vidash et Vacmatchy. Donc ici, c'est juste une représentation, mais mon gros trafic aujourd'hui provient des comptes Medium. Donc tu as compris le principe, va, je recherche ton mot-clé, viens sur SEO Writing, écris ton article et viens publier cela sur Medium. Mets ton lien affilié au trop une à deux fois dans l'article, ne dépasse pas 3. Si tu pars jusqu'à 4, jusqu'à 5, jusqu'à 6, alors Medium va directement te détecter comme du spam, il va te bannir. Et également, si tu commences à écrire en français, n'écris pas en anglais, parce que ce que j'avais eu à faire, c'est que j'avais vu que ça donnait déjà trop. J'ai dit que il faudrait que je touche un peu le marché américain. Lorsque j'ai publié deux articles en anglais, alors Medium a directement détecté que je faisais du spam et ce compte-là a sauté. Donc voilà les deux erreurs que j'ai eu à commettre, que je t'invite à ne pas commettre la même chose. Donc voilà le pourquoi j'ai arrêté de bloguer sur WordPress en 2024, parce que ranker sur Google, c'est un casse-tête. Donc c'est une montagne russe, c'est vraiment pénible, c'est pénible les amis. Mais avec Medium, il suffirait simplement de suivre leurs conditions d'utilisation et tout est OK pour toi. Donc, ce compte, je viens de lancer. Je pense dans les mois encore à venir, je vais encore également créer d'autres vidéos. Sur Medium et d'autres comme cela. OK, si tu as aimé cette vidéo et que tu as regardé jusqu'à la fin, alors je pense que tu es qualifié parmi ceux-là qui ont vraiment ce privilège de réussir sur Internet.
Abonne-toi à cette chaîne, clique sur le bouton j'aime et donc va et implémente ce que tu as appris dans cette vidéo. Et si tu n'as pas bien compris, relis encore la vidéo en boucle, même 3, 4, 5 fois pour pouvoir vraiment tout assimiler. Et si tu as besoin d'autres conseils, pour qu'importe les questions, tu peux me contacter sur Telegram ou simplement tu peux laisser un commentaire et je me ferai le plaisir de répondre à ta question. Ok, donc c'était Mickaël Mika. Merci.